Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'édition collector limitée de Day of the Dead, éditée par ESC. Une fois déblisté, le visuel sur le recto est absent de toute écriture. Sur les suppléments, donc on les plutôt gâtés avec commentaires audio de George Romero, Tom Savini, Clutus Anderson et Laurie Cardill. Donc vraiment sympa les commentaires audio. Zombie Show, donc présenté par Alexandre Jousse, analyse de la séquence d'ouverture par Alexandre Jousse toujours. Le fameux documentaire La fin du monde, l'héritage du jour des morts vivants. Donc 1h26, ça c'est un retour sur le film évidemment, avec pas mal d'interventions de l'équipe, des acteurs. Évidemment de Romero, de Tom Savini, et plein d'autres encore, donc qui étaient disponibles sur une édition Shout Factory. Et là, évidemment, on a droit au même documentaire, mais avec les sous-titres, ce qui est beaucoup plus plaisant. Les coulisses des effets spéciaux, 31 minutes, coulisses de tournage, vidéo promotionnelle, spot télé, et petite chose très très intéressante, c'est le scénario alternatif abandonné et totalement inédit. À l'intérieur, comme d'habitude, nous avons le petit poster qui va bien, donc qui reprend le visuel de l'édition. Là, nous avons quelques photos. Donc là, de Tom Savini. Sur du papier glacé, toujours sympa. Là, Greg Nicotero. Là aussi, d'ailleurs. Et une photo de Romero, donc de bonne qualité. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, avec des petits visuels toujours très très bien choisis. Le Blu-ray, les protagonistes du film, avec John Sarah et je ne sais plus qui au milieu. Le DVD. Le pop-up maintenant, voyons ce que ça donne. Voilà, avec le personnage de Bub. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation, en espérant que celle-ci vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si cette édition vous intéresse, vous aurez le lien pour la commander dans la description. Allez, ciao tout le monde!